Maybe I'll walk on his money. Woo! Woo! Howdy! Woo! Get some anointing. You put somebody up. Woo, man. Woo! Put some money. Put some anointing on his money. You put something up here. You put. Woo! Prosper. Prosper, I said. Je me souviens, il y avait une formule concernant le fondateur du ministère de la Voix, donc Victor Paul Werwill, qui disait au sein du ministère que cet homme était le plus grand homme de Dieu, rendez-vous compte, était le plus grand homme de Dieu que la terre ait porté depuis l'apôtre Paul. Depuis l'apôtre Paul. Donc rendez-vous compte, il y avait une telle idolâtrie à un tel point que c'est difficilement humainement explicable. Il y a forcément une nature spirituelle derrière cela. Et effectivement, les points de contact que sont ces livres qui vous sont donnés et ne sont pas donnés parce que vous les payez. Effectivement, les cours étaient payants. Et quand je reviens à ce que je disais au début de l'émission, c'est qu'on mesure la maturité, rendez-vous compte, on mesure la maturité d'un croyant à sa capacité à payer sa dîme fidèlement. Un croyant qui paye sa dîme fidèlement est un croyant mature. Un croyant qui est irrégulier ou qui ne paye pas sa dîme n'est pas mature, rendez-vous compte. Donc voilà un petit peu la stratégie marketing du ministère de la Voix. Et où est la différence avec les faux pasteurs comme Masolo Chinasi, Ivan Cassano? Justement, il y a un qui met vraiment l'accent sur la dîme, justement, qui dit que la dîme, c'est le symbole de la fidélité avec Dieu, Alain Patrick Tinguet du côté de France, qui dit que il faut dîmer la dîme, c'est la preuve que vous êtes attaché à Dieu, c'est la preuve que vous êtes fidèle. Mais ça, c'est l'escroquerie. La preuve que vous êtes attaché à Dieu, bien aimé frère, c'est que vous obéissez au commandement du Seigneur Jésus-Christ. La dîme ne fait pas partie du commandement de Jésus-Christ. La dîme, ou 10%. Vous savez que ça va pas, la dîme, c'est 10% de vos revenus. J'ai fait un enseignement qui devait être suivi par presque tous les chrétiens. Un enseignement qui recense les 48 mentions du mot dîme dans la Bible. Les 48 mentions du mot dîme. Il y a même une dîme qu'on devait manger. Il y a une dîme que la personne qui offrait devait manger. C'est-à-dire que moi, Georges, qui offre, étant dans l'Ancien Testament, je devais manger ma dîme avec ma famille. Donc, il y a une dîme qu'on mange. Il y a une dîme du roi. Il y a une dîme. Il y avait plusieurs dîmes. Il y avait une dîme qu'on devait manger. Ils ont mis l'accent sur l'argent. Aujourd'hui, la dîme n'est plus d'actualité. 10 ou 10%. On ne peut pas vous imposer des véritables collecteurs d'impôts dans ces églises évangéliques qui ne sont que des camps d'embarquement pour l'enfer. Des véritables collecteurs d'impôts. On vous harcèle. As-tu payé ta dîme? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne payes pas la dîme? On ne peut plus imposer quoi que ce soit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Christ voudrait que nous fassions les choses par amour, de manière délibérée et volontaire. D'ailleurs, il y a ce verset. Dans 2 Corinthiens, notez ce verset, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers le monde. Notez ce verset. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7 qui dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand c'est 10%, c'est une contrainte. Tu as 1%, tu donnes. Tu as 100%, tu donnes. Tu donnes, personne ne t'impose et on ne te force pas. On peut t'encourager aux libéralités parce que il y a une bénédiction à exercer la libéralité. On voit la grande bénédiction que le militaire, le soldat italien et européen Corneille a eu, lui et toute sa famille, parce que la Bible dit qu'il était non seulement non pieux, mais il faisait des aumônes. C'était de manière volontaire, délibérée, soit dans le corps de Christ, soit hors du corps de Christ. C'est-à-dire qu'avec les non-croyants, avec les non-chrétiens, vous faites vos libéralités, c'est volontaire.
Parce que quand c'est contraint, vous vous attirez la malédiction de Dieu. Donc ces pasteurs, non seulement pêchent et vous font pécher. Vous dîmez, vous donnez de l'argent parce que vous êtes contraint. Vous ne le faites pas par contrainte. Vous le faites parce que vous voulez le faire délibérément. Et nous ne pouvons pas acheter Dieu. Il y a des pasteurs qui disent, si vous dîmez, nous allons prier pour que vos péchés soient effacés. C'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec la Babylone, la grande l'église abominable catholique romaine. L'absolution, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce mot, l'absolution, ça veut dire qu'il fallait payer pour être absous, pour être pardonné. Et c'est ce que les évangéliques, les pentecôtistes et autres ont repris en disant, vous pouvez être pardonné, purifié, même si vous vivez dans l'abomination. Il y a même un faux pasteur, Léon Mian, qui disait aux prostituées, aux voleurs, allez voler, allez vous prostituer, amenez l'argent, nous allons verser l'huile d'onction. L'autel va purifier, on va mettre un autel sur l'autel, l'autel va purifier. Incroyable! La dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Ce qui est d'actualité dans le corps de Christ, c'est les offrandes volontaires. Et il n'y a pas la manipulation, il n'y a pas le contrôle mental. Vous n'êtes pas forcé, c'est volontaire. Ce serait même bien de ne même pas donner. Vous n'irez pas à l'enfer parce que vous ne donnez pas. Vous irez à l'enfer parce que vous donnez en graissant les dents. Parce que vous donnez en étant hypocrite. Parce que vous donnez pour faire plaisir au soi-disant homme de Dieu, mais qui n'est qu'un véritable, un fier escroc. Voilà, pour faire plaisir à ce escroc qui est devant vous. Voilà, tout simplement. Vous faites plaisir à un homme. Vous le faites après, vous graissez les dents, vous minerez après. Voilà comment vous attirez la malédiction. Terrible, Jean-François. C'est vraiment urgent que nous revenons sur la scène d'optime à ce sujet. Effectivement, Georges. Donc, et le point que tu as abordé aussi, c'est la position d'autorité que peuvent exercer certaines femmes au sein du ministère de la Voix. Et pour ma part, quand nous avons quitté le ministère de la Voix en 2013, celle de la personne qui avait autorité donc sur l'ensemble de l'Assemblée, qui est présente dans beaucoup de pays hein, dans le monde, je crois qu'elle est très présente en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, il y a la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Afrique avec le Gabon, le Cameroun, la RDC, le Congo-Brazzaville, bref. Cette personne qui était en position d'autorité sur l'ensemble de l'Assemblée, dans l'ensemble de l'Assemblée, le quartier général étant aux États-Unis à Louisville, cette personne s'appelait Rosalie F. Revenbach. Donc, premièrement, nous avons affaire à une femme qui est dans une position d'autorité, alors que selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est dit que « car Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme ». La vérité et la vérité vous affranchira.